Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Bienvenue sur ce banc dans une autre vidéo hors du commun. Ah, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Vous savez que le 12 août dernier, Sestak se trouve là-bas a perdu la vie selon les informations que nous avons reçues. Et sa disparition a mené les gens à tellement réfléchir et à poser des questions, tant de questions et tant de révélations sont même sorties. Après sa disparition, après son enterrement, voici que une jeune femme vient nous donner encore des révélations, en fait donner des révélations à une autre star qui est ici. Il s'agit de cette jeune dame qui est là. Ah! Et cette femme dit que Dieu lui a donné un message pour cette dame-là. En fait, elle va nous dire ici qu'elle-même s'est rendue chez elle, c'est-à-dire dans un endroit où elle travaille et tout de ce genre. Elle va nous bien nous expliquer ça. Mais elle est allée là-bas pour essayer de rentrer en contact avec cette star. Mais ça n'a pas été. Après plusieurs tentatives, ça n'a pas été. Donc, elle vient ici, sur les réseaux sociaux, pour lui donner le message. Et le message qu'elle veut lui donner, c'est un message très intéressant, qui pourrait aussi nous concerner, c'est-à-dire qui nous concerne aussi. Elle va parler de repentance. Ah, elle va lui dire que les temps sont mauvais, il faut juste se repentir et abandonner ses mauvaises voies. Ah, c'est extraordinaire ça. Est-ce que c'est ce qu'elle va donner comme message? C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est inspiré par Dieu? Je pense que avant de juger les gens, il faut d'abord les écouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Bien sûr que oui. Si vous, on ne vous écoute pas avant de dire quoi que ce soit sur vous, vous voyez que ce serait pas joli, joli. Donc nous allons l'écouter. Attends ce qu'elle a à nous dire. Et ça va être chaud. Est-ce que vous êtes abonné? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et partagez cette vidéo pour que cette vidéo aille très loin et que elle peut-être elle puisse tomber sur cette vidéo ou ce message et puisse réfléchir sur sa vie. Elle seule pourra nous dire si ce que cette femme est en train de dire là c'est vrai. Elle seule pourra nous confirmer cela puisque cette jeune dame dit qu'elle allait jusqu'à chez elle. Est-ce que vous voyez? Bien. Mais avant d'entrer dans ce message, nous allons prier et demander à Dieu de chasser les mauvais esprits, les démons qui se baladent, les gens qui font des prières mystiques contre nous, qui est là tranquillement à ton corps, les gens prient, font des prières mystiques contre toi. Nous allons fermer les yeux, prier, demander à Dieu de nous donner sa force, sa puissance, afin de détruire toutes les prières mystiques des ennemis contre notre vie. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Si vous êtes chaud, fermons tous les yeux et prions ensemble. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous guider vers notre Dieu. D'où nous viendra notre secours? Nous savons tous ici que notre secours nous viendra toujours de l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce que nous pouvons voir et de tout ce que nous ne pouvons pas voir, s'il te plaît, que ta grâce descende sur nous et nous pardonne tous nos péchés, tout ce que nous avons fait de mauvais dans notre vie, pardonne-nous. Tout ce que nous avons fait consciemment ou inconsciemment, qui ne t'a pas plu, s'il te plaît, toi le Dieu qui pardonne facilement. Pardonne-nous aujourd'hui et viens nous accueillir dans tes saintes mains. Que ta main nous protège. Que ta main fait descendre la lumière et ta gloire et ta bénédiction dans notre vie et dans notre famille, dans la vie de nos enfants. Tout ce que nous faisons sur la terre est vanité. Tout ce que nous faisons sans toi, ça vaut rien. Nous voulons t'inviter dans notre vie et abandonner nos fétiches. Nous voulons t'inviter dans notre vie et abandonner nos canaries de sorcellerie.
abandonner même nos fétiches et nos bagues magiques. Aide-nous à sortir des confréries du diable, des sectes. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider aujourd'hui et nous montrer le chemin. Toi seul, ton secours vaut mieux que le secours de l'homme. Toi seul, ta protection vaut mieux que la protection de toute une armée puissante. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, ô notre Dieu, pour nous aider à sortir de nos mauvaises voies et à revenir sur la bonne voie. L'âme est plus précieuse que tout. L'âme est plus précieuse que l'argent. Nous avons vu des gens mourir jeunes en abandonnant tous leurs biens sur la terre. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, laisse-toi trouver par nous. Que ta lumière descende sur tous les abonnés, Seigneur. Que ta lumière descende sur tous ceux qui ont écouté cette vidéo, ce témoignage, et que leur cœur soit apaisé. Et que ces personnes reçoivent ces révélations dans un climat apaisé, et que toi-même, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur, afin que le diable ne puisse pas les endurcir. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes, et tu es loin de nous aussi. Tous les mauvais amis qui essaieront de venir nous convaincre que nous avons abandonné, nous avons fui le mauvais chemin. Nous savons tous que suivre Dieu aujourd'hui, c'est pas facile. Mais toi, Seigneur, tu peux nous donner la force de te suivre, car c'est le bon chemin. Nous allons lutter pour avoir notre couronne et la couronne de vie. Amen. Abonnez-vous, mes frères et sœurs. Abonnez-vous, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si vous voulez de vous réveiller, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous commençons des choses extraordinaires. Et ceci est la première vidéo du jour. Écoutons le message de cette femme. Vous serez même surpris. C'est parti. Je vais m'adresser un peu à cette sœur, Emma Louès. J'ai reçu un message de toi, ça fait un mois. J'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente, où je disais à la jeunesse de se repentir. Waouh! Jusqu'à ce que le 12 septembre, le Seigneur nous envoie chez toi. Comme on ne connaissait pas la maison, nous sommes allés, j'étais avec une maman à l'intercession, nous sommes allés sur la route de Faya, à la Riviera, sur la route de Benjerville. Nous avons vu ton assistant, nous sommes arrivés au magasin. Il a dit que tu venais de sortir et que si tu revenais, tu allais nous contacter. Qu'on rentre, que tu allais nous contacter. Mais jusqu'à aujourd'hui, le 20, tu ne l'as pas fait. Et nous ne sommes pas les seuls serviteurs que le Seigneur envoie derrière toi. Le Seigneur me charge de te repentir. De te repentir sincèrement. Si je viens me mettre ici pour parler, c'est parce que nous avons essayé d'être en contact avec toi, mais nous n'avons pas pu. Je trouve que c'est le seul moyen de pouvoir te passer ton message. Wow. Réponds-toi, ma soeur, car tout est vanité des vanités. Tout est éphémère et nous sommes de passage sur cette terre. Le Seigneur, il t'a montré des signes. Comme il a dit dans Apocalypse 3, verset 19. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. C'est biblique. Ça ne vient pas de moi. Ma soeur Emma, le Seigneur, il est à ta porte, il frappe. Comme le dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il est à ta porte. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard.
Jeunesse de Côte d'Ivoire, répentons-nous. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et Jésus revient bientôt. Comme le dit sa parole dans Jean 8, verset 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière et la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière du monde. Waouh! Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière du monde. Ce message est court. C'est un message de repentance. Elle demande aux jeunes de se repentir. Elle a fait, apparemment, elle a donné des révélations à ces deux personnes, à ce destin. Ça, c'est vraiment intéressant. Nous essaierons de voir ce qui se passe par la suite. Mais vous pouvez analyser et comprendre ce qui se passe dans la vie de jeune fille aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu hier. Hier! Franchement, je vais vous dire ce que j'ai vu hier. Hier! J'ai jeté un coup d'œil sur Google. Histoire de voir, avoir des informations. C'est une jeune fille. C'est pas cette femme qu'elle a, hein. C'est une autre star du coupé décalé. Et elle s'appelle, bon, je dis pas le nom. Moi, je ne la connais pas, mais je sais que elle a gagné des awards, je sais pas, awards du coupé décalé ou bien promu, je sais pas. Mais je ne la connais pas. Les gens parlent d'elle un peu. Ces temps-ci. Donc, j'ai dit bonjour, j'ai jeté un coup d'œil sur ce qu'elle fait. Si elle est dans le coupé décalé, c'est qu'elle chante. Il n'y a pas de souci. Et je suis juste allé regarder sa vie, ses photos. Et je suis tombé sur ses clips. C'est le clip de ses chansons, de ses musiques. Et voici que je veux même être dépassé par ce que je veux voir. Mes frères et sœurs, quand une fille s'habille de façon sexy, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça signifie devant les esprits? C'est-à-dire devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant le diable. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Déjà, vous, quand vous voyez une fille sexy, à quoi pensez-vous? Ou bien qu'est-ce qui se passe en vous? Pour les hommes, ces hommes commencent à avoir des frissons, même des frissons dans le bas-ventre. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'ils ont vu un truc. Ils ont juste vu un truc qui est en train de créer des mouvements, c'est un stimulus. Ah! Donc c'est en train de te stimuler. Parce que tu as vu un truc. Mais pourquoi tu réagis de la sorte? C'est tout simplement parce que devant les esprits, une femme qui s'habille de façon sexy est nue. Elle est nue. C'est pourquoi les gens ont utilisé le terme sexy. Dans sexy, il y a sexe. Sexy. C'est-à-dire que tu la vois, tu penses en même temps à te mettre nu, à te salir, à te déshabiller. Et avoir le sexe avec cette personne. Juste comme ça. Et cette image reste dans ton subconscient, reste dans ta tête toute ta vie. Et quand tu vas devenir chrétien, tu vas lutter avec ces images-là. Parce que ça va te fatiguer. Parce que derrière ces images, il y a des démons qui sont derrière, qui les accompagnent. Et moi, j'ai vu cette fille-là. Cette fille, c'est-à-dire, cette fille dont je vous parle, là, qui est du coupé décalé, et je cherche à savoir qui elle est. J'ai vu qu'elle était habillée de façon très sexy. Hyper sexy. Montrant ses parties les plus séduisantes. Tournant ses reins. Tournant ses reins. Tournant ses reins. Et ses chansons parlent d'amour.
Vous savez, souvent quand les filles chantent, elles chantent des chansons qui parlent d'amour, genre les hommes sont mauvais et les hommes leur font mal au cœur. C'est un truc de ce genre. Et moi, je regardais ça. J'ai dit, mais ah, la manière dont elle est habillée là. Vraiment, la manière dont les filles là dansent. Vraiment, vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Quand Dieu vient parler comme ça, il dit, répondez-vous, répondez-vous, c'est qu'il a vu un truc. Même moi-même qui suis humain, là, j'essaie de vous parler de ce que j'ai vu. Dès que j'ai vu les premières images, là, juste une vidéo, deux vidéos, deuxième vidéo, j'ai renoncé, j'ai dit non, c'est bon. Je ne regarde plus. Je ne regarde plus rien, plus, rien d'autre. Parce que ce que j'ai vu là, ça m'a rappelé mon passé. J'ai dit, si je continue à regarder ça, peut-être que je risque de pécher. Donc j'ai coupé ça. Je n'ai plus regardé. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire pour avoir des vues, pour avoir des regards, pour avoir de l'argent. Mais les gens oublient que Dieu est là et que Dieu nous voit tous. Les esprits aussi sont là et eux ont des règles. Pour les esprits, toutes les femmes qui se mettent nues, qui s'habillent de façon sexy sont nues. Elles sont nues. Les maquillages et toutes ces choses que les gens prennent. Tu ne sais pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. Nous avons fait plein de vidéos par rapport à ça. Même des esprits, même des démons. Ils vous ouvrent la parole pour dire que beaucoup de femmes vont aller en enfer parce que elles ont des choses sur elles qui appartiennent aux démons. Genre le démon inspire des gens pour fabriquer des produits. Juste pour que les gens utilisent, surtout les femmes utilisent, afin que les femmes puissent les ressembler. À partir de là, elles n'auront plus d'excuses devant Dieu. Déjà, vous devez savoir un truc. Quand une personne meurt, les anges et les démons viennent. Et ces gens-là sont en train de se bagarrer pour pouvoir prendre l'âme de la personne. À ce moment-là, la seule chose qui va les séparer de ce combat-là, ce sera vous-même, vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Dans vos clips, comment vous vous habillez? Est-ce que quand vous vous habillez de façon sexy, ça plaît à Dieu? Est-ce que les gens ont péché en vous regardant nu? De la manière dont vous êtes exposé vos seins, vous avez impressionné le monde de vous applaudir sur la terre. Mais les anges ne vous ont pas applaudi. Parce que ce que vous avez fait, vous êtes conscient que c'est une mauvaise affaire. Vous avez fait juste parce que vous dites que vous êtes jeune et que vous voulez faire le buzz. Mais la mort ne prévient pas du tout. La mort ne prévient pas du tout. Les gens après vont venir dire, Père à son âme, ah ma soeur, je vais te dire, si tu n'étais pas repenti pendant que tu es vivante, si tu n'étais pas repenti pendant que tu es en bonne santé, le diable ne te donnera pas l'occasion de te repentir quand tu seras mourante. Où tu seras dans ton dernier jour, la mort va te surprendre. C'est ce que le diable a fait. Hein? Il est de surprendre les gens. Accident, boum. Crise cardiaque, mort subite, boum. Pour ne même pas que tu aies la bouche pour dire Seigneur, pardonne-moi. Tu peux être une femme avec un bon cœur. Tu peux être un homme avec un bon cœur. Tu pardonnes facilement. Mais si tu es dans les choses et que le diable sait qu'à un moment donné, tu vas l'abandonner. Et que tu vas même te repentir, il ne va pas te permettre cela. Pendant que tu es vivant, ouvre ta bouche et dis à tout le monde, franchement, je reconnais que je ne suis pas une femme parfaite. Je veux me repentir devant mon Dieu. Que Dieu me pardonne. Et tu commences à marcher dans une nouveauté de vie. Ce que tu as posé comme action là, tu vas donner la défaite aux démons, même à tes ennemis. Dieu va t'accompagner sur cette voie. Dieu va t'accompagner ou Dieu va t'accompagner. Je vous parle de quelque chose. Vous devez me croire. Parce que c'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu récoltes. Si durant ta vie tu as semé de la part de la papaye, voilà, bananier, quand tu plantes papayer, tu récoltes quoi?
des papayes, non? Quand tu plantes un goyavier, tu récoltes quoi? Des goyaves. Voilà. Mais quand tu pêches ici, tu récoltes la mort. C'est une mort spirituelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et après la mort, ceux qui sont déjà partis, ils vont vivre éternellement. C'est-à-dire, c'est leur âme et l'esprit, ça ne meurt pas. L'esprit ne meurt jamais. La mort, c'est juste un voyage. On quitte un monde pour un autre monde. Et le monde où on va là-bas, là, c'est un monde éternel. Et là-bas, on vit très longtemps. Même des milliers de siècles. Parce que c'est le côté immatériel, c'est comme le vent. Le vent ne meurt jamais. Et là-bas, dans ce monde-là, tu peux être dans le bon et le mauvais monde. Parce que là-bas, quoi, il y a deux mondes. Le monde des démons et le monde des anges. Un conseil, va dans le monde des anges. Parce que là-bas, tu vas rencontrer Monsieur le Paradis. Et tu vas rire toute ta vie. Mais il y a un autre lieu là. Où là-bas, les gens pleurent. Les gens se lamentent. Ils ont des graissements dedans. Là-bas, on ne sourit plus. Là-bas, c'est que la tristesse. Si je ne vous ai pas parlé de ces choses, vous avez pensé que c'est de la blague. Si vous n'avez pas parlé de ces choses, vous avez pensé que c'est de rigoler avec vous. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il faut que quelqu'un vous en parle. Il y a un autre monde. Et ce monde-là, c'est un mauvais monde. Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'y aller, ni d'aller passer des vacances là-bas. C'est un monde terrible, où là-bas les gens ne font que pleurer, parce que durant leur vie sur la terre, ils n'ont pas fait des choses bien. Ils n'ont pas été honnêtes avec Dieu. Ils ont passé leur temps à faire du sale. Ils ont été dans les bails noirs. Ils ont passé leur temps à suivre tout le monde, à être des suiveurs, à faire comme tout le monde. Le péché du siècle, dès qu'on dit il y a une nouvelle danse qui vient d'arriver, ces gens ne réfléchissent pas, ils dansent. Les gens suivent le monde. Or Dieu a dit de ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Car quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pour les choses de ce monde, les gens sont dans les bains noirs, même de la sorcellerie. Les gens sont des sorciers. Les gens sont juste des sorciers. Parce que eux, ils veulent juste gagner toutes les choses de ce monde. Ah, tu es dans quoi? Tu es même dans quoi? Tu pries, tu dis à tout le monde, tu es Dieu. Toi, tu pries, tu es Dieu. Et que toi, tu es avec Dieu. Or, tu as des canaris chez toi. Tu as des fétiches chez toi-même. Ceux qui peuvent voir. Tous ces gens-là vont dans ce monde-là. C'est un monde où il y a le feu. Là-bas, les gens pleurent seulement. Parce qu'ils sont dans le feu. Et ils sont seuls. Ils sont seuls. Pendant qu'ils sont dans le feu, ils ne peuvent voir que les ténèbres autour. Sinon, les flammes du feu seulement qui sont en train de les éclairer un peu. Mais ce sont des flammes qui sont tellement terribles que ça ne vous donne même pas le temps de souffler un peu. Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, pendant votre vie sur la terre, dis Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi en même temps. En même temps, mieux. Il faut me pardonner, viens avant de négocier. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seul dans ta chambre, parle ainsi à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, mon Dieu, je veux abandonner mes choses. J'ai besoin que tu m'aides et que tu me confirmes que c'est toi qui viens de me parler ou confirme-moi. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il y a des gens à qui on a parlé ainsi. Comme ces gens étaient à bosse, ils avaient l'argent, ils mangeaient du poulet, ils mangeaient des hamburgers. Ces gens ont commencé à parler, oh laissez-nous, vous êtes là toujours en train de faire des rêves, vous donner des révélations aux gens. Même sans même aller s'asseoir dans leur champ pour prier, dire Seigneur mon Dieu, est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que c'est toi? Tout le monde peut venir te dire j'ai des révélations. Tout le monde peut venir te dire qu'il y a vu des choses, mais toi, Dieu peut te parler aussi. Va t'asseoir dans ta chambre, ne discute pas beaucoup. Tu es seul à seul avec Dieu comme tu es né seul.
Dis-moi, Seigneur mon Dieu, dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis même dans quoi? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui va se passer après? Mon argent ne va pas me suivre après ma mort. Seuls les vivants peuvent toucher l'argent. Mais ceux qui sont morts, l'argent n'a plus d'importance pour eux-mêmes. J'ai besoin que tu m'aides, oh, j'ai besoin que tu m'aides. Viens me parler aujourd'hui. Et viens me donner la force d'abandonner mes mauvaises actions. Quel que soit le prix à payer, je suis prêt à te suivre. Dieu va te donner des idées et va t'aider à t'en sortir. Si tu es dans une secte, Dieu va t'aider. Il faut être prêt à subir tout ce que les gens vont dire, tout ce que les gens vont raconter. Mais toi, c'est ton âme, le salut de ton âme qui t'intéresse. Parce que tu sais comment les gens meurent facilement aujourd'hui. Comment les gens meurent facilement aujourd'hui? Vous pensez que les stars qui sont décédés avoir envie de mourir? Personne n'a envie de mourir. Mais il faut se préparer aussi à ça. Comment se préparer à cela? Il faut juste s'accrocher à Dieu, s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église de Dieu et être bon devant les gens, devant Dieu. Quand les gens ne sont pas là, il faut être bon. Il faut être une bonne femme. Il faut être un bon gars. Et que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Que Dieu te soutienne, oh, que Dieu te soutienne. Mes frères et sœurs, la vie n'est pas facile. Ce que nous traversons dans ce monde nous pousse même à faire des trucs bizarres. Mais si Dieu t'a donné le juste nécessaire, il faut te réjouir. Même si tu n'as pas construit de maison. Même si tu n'as pas la plus belle voiture de la planète. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Travaille avec ça. Et Dieu va te faire grandir. Mais n'aide pas de la faux truc. N'aide pas de faux truc. Sinon, tout ce que tu as eu, tu risques de tout perdre. Tu risques de tout perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager pour que ça aille loin. Et vous abonner à cette vidéo. Et quand vous abonnez, activez la cloche. À quelques chaînes sur moi, vous avez réussi à faire un pas d'accueil. Vous ouvrez notre troisième chaîne. Abonnez-vous sur notre troisième chaîne. Il y a sur votre troisième CV. Et dites-nous ce que vous en pensez. Mes frères et sœurs, le monde fait vraiment peur. Le monde fait peur. Ça fait peur. Il y a un ami, il y a un jeune homme. Lui, il voulait réussir. Pour avoir réussi, il y a un frère qui l'a envoyé, un de ses frères, de ses grands frères, qui l'a envoyé, c'est un féticheur. Lui, il a vu une tête de mort là-bas parce que c'était de la blague. Et il a même eu ça, mais il a eu peur. Et le féticheur lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Tu es arrivé ici, tout ce que tu veux, nous, on va te donner. Et les gens vont créer ton nom. Tu auras du succès. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Tu auras tout ce que tu veux. Et lui, il a regardé le fait que les gens se moquaient de lui. Il n'avait plus d'argent même pour mettre de l'essence dans sa moto. Et il allait faire le deal impact. Il a fait un rituel avec même le féticheur. Après le rituel, c'est là maintenant le féticheur va lui dire que voici les choses que tu ne dois pas faire. Parce que ce que tu en viens de faire a des totems. Les totems de ces choses-là. Ça va même plus loin, très loin. On lui dit par exemple, tu dois toujours dormir avec un habit rouge, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas faire de concert à côté de l'eau. Il y a tant d'interdictions comme ça. Maintenant, le gars a des problèmes. Il ne sait pas comment faire pour en sortir. Et on lui a dit que quand le jour sera venu, pour qu'il meure là, quelqu'un va venir lui couper la tête. La personne qui va venir lui couper la tête là, c'est l'ange de la mort, un démon. C'est-à-dire que quand ce démon va venir lui couper la tête, lui il ira directement là où le démon adore. C'est où? C'est où maintenant? C'est où le démon adore? Dites-moi mes frères et sœurs, c'est où? C'est où?
C'est un enfer, juste l'enfer dans le séjour des morts après le temps de feu. Vous connaissez l'histoire. C'est pas du tout joli, joli. Mais pendant qu'il est vivant, lui, il peut remarquer que il a l'argent, il a des belles voitures, il a des belles maisons. En fait, il a tout, mais il est en train de souffrir seulement. Il est juste en train de souffrir seulement. Il est en train de souffrir. Tu as l'argent, tu peux te marier, ça te servir à quoi? Tu as tout ça, tu ne peux rien faire. Après ça, maintenant, c'est l'enfer qui t'attend. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces pièges et elles se disent, c'est fini, oh, c'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ est bon pour toi aujourd'hui. Viens à Jésus-Christ, il va te laver, il va te permettre de t'abandonner toutes ces voies-là. Et tu seras même en paix. Même si tu vas perdre tout et tout et tout ce que tu as eu, tout ce que tu as eu, c'est pas grave. Dis à ton ami qui a coûté, c'est pas grave. Dis à ta soeur qui a coûté, c'est pas grave. Si tu vas sauver ton âme, c'est une bonne affaire. Mes frères et sœurs, j'ai tellement envie de vous parler de ça. J'ai tellement envie de vous raconter des choses. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et ne manquez pas les prochaines vidéos. Dieu va permettre qu'on en parle encore. Ma soeur, toi qui es destiné à ce message, réfléchis. Puis, si tu peux rentrer en contact avec ces personnes, tu peux le faire. Mais la première personne avec qui tu dois rentrer en contact, d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta chambre. C'est parti.